Salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Kingdom Hearts. Alors je vais vous expliquer un petit peu mes choix et autres. Kingdom Hearts 2, j'ai commencé à le faire en let's play, en live. On a passé 1h40 je crois, où on s'est bien amusé, on a bien rigolé et tout. Et en fait en vrai j'ai décidé que pour vraiment bien profiter du jeu, bah déjà Kingdom Hearts 2 remplacera Battlefield 5 quand il sera fini. Pour le moment ils vont coexister tous les deux, avec bien sûr Assassin's Creed Mirage, mais après il va prendre place après Battlefield 5. Et je me suis dit, bah tiens, je veux pas attendre, par exemple je voulais streamer une fois par semaine. Et je me suis dit non mais je veux pas attendre, sincèrement je veux pas attendre une semaine. Et encore une semaine pour y jouer, je veux vraiment le continuer. Mais bien sûr, une fois de temps en temps, eh ben, il y aura des streams dessus. Autre chose, écoutez bien. Normalement, j'ai réussi à mettre la VF du jeu grâce à un mod, grâce à un mod sur Nexus Mod. Merci à, je crois, Théonic et à d'autres personnes. Je crois que j'ai des putains de chats qui sont en train de faire les débiles. Je sais pas, on verra bien. Qui ont réussi à mettre la VF du jeu sur PS2, c'est un truc de malade. Enfin, un truc de fou. Souvenez-vous-en, on était avec un personnage qui s'appelait Roxas. On nous avait volé des photos, et d'ailleurs même le mot photo. Et on avait rencontré des créatures un peu étranges qui s'appellent... Je vous le dirai pas, parce que moi je sais. Et en fait, en vrai... ces créatures là, on peut pas les frapper avec un bâton normal, on les frappait avec une sorte de Keyblade. Et on avait rencontré une jeune fille qui s'appelait Naminé. C'est un peu bizarre, c'est un peu spécial et tout ça, mais écoutez, alors quand je me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Je ne trouve aucune information à propos de cette mystère. Vous allez prendre le train, c'est ça? Je ne sais pas trop quoi faire. Ah oui, les 7 mystères, c'est vrai qu'il fallait enquêter là-dessus, non? Non mais je pense savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse. Est-ce qu'on peut leur parler? Je dois ranger le sérieux dans le garage. J'ai passé... Ouais bon mais ça c'est les petits jeux qu'il y a à faire. Et bah, quel plaisir de jouer à ce jeu là. Quel plaisir, franchement c'est cool. Je tiens à faire, allez, une petite dédicace à Kizae qui avait laissé un commentaire sur le dernier live. Mec, je sais pas ce qui s'est passé, t'as bu de la pédieu ou de la sobiesque qui... par contre, ouais, oui, j'ai perdu du poids, ouais, je sais, j'ai perdu pas mal de poids. Et, alors, attendez, juste 5 minutes. Excusez-moi, c'est juste qu'un putain de chat est en train de miauler comme une conne et que fallait que je la calme. Bref, donc voilà, mais cette mystère, est-ce que ce serait pas temps d'aller, d'aller dans ce manoir, quoi? Je suis sûr que c'est là, c'est là-bas qu'il faut y aller. Ah je sais plus, je m'en souviens plus. Parce que j'y avais joué, j'avais même fait la version... Mais je crois que j'avais... Parce que moi, ce jeu-là, je l'ai sur PC et je l'ai aussi sur PS4. J'avais le 1.5 et 2.5 Remix. J'ai KH4 sur PS4. Et j'ai... Alors, la porte est solidement verrouillée. Ouais, je ne peux pas pouvoir y aller tout de suite. Ouais, donc il faut que je parle peut-être aux autres personnages. Et j'ai repris ça sur PC. J'avais fait aussi J'avais fait KH3 sur PC, enfin, souvenez-vous, Terrine Forestière, hein, n'est-ce pas? Avec la fameuse Terrine Forestière et tout le bordel, c'est quand même énorme, on a eu ses fous rires. Ne vous inquiétez pas, Denver va venir là. Putain, je suis sûr qu'il faut que j'en parle aux autres. C'est quoi ça? Place des fêtes, rue de la guerre. Ouais, je suis sûr, il faut que je parle aux autres et puis que j'aille trouver à résoudre ces mystères là. Mystère, mystère. Putain, je suis pas foutu de parler aux gens. Mais ça va dire, je dois coller des affiches au château. Ouais, non, ça sert à rien, ça. On s'en bat les couilles, non? Non, on s'en fout. Je connais, j'étais divisé pour le jour de tournée sur un temps dans la prochaine révision. Ouais, d'accord. Ok, à mon avis, faut que je parle aux autres. Je suis sûr, faut que je parle aux autres. Olette était par là, non? À moins qu'il faut que j'aille par là, non? Je sais plus. Place des fêtes. C'est peut-être pas par là. Combat d'homme à homme. Non, merci.
Crétin. Débile! Connard! Oh, c'est bizarre que j'ai pas le... Ouais, mais on doit le... Là, je suis sûr que la compétence roulade, on doit le débloquer quelque part. Et toi, tu dis quoi? Je t'en montrerai des deux pour devenir aussi fort que Cypher. Si tu le cherches, il a la place d'effet, mais n'espère pas le battre. Mais je suis sûr qu'il faut que je parle aux autres, car... J'ai eu repère. Alors, toi, tu dis quoi? Et en haut de la côte, prenant le train pour aller... Ah, d'accord, les transports sont gratuits en ce moment, il faut en profiter. D'accord, donc il faut que j'aille à la gare. Ok, d'accord. D'accord, ok, pas de problème, ok, ouais. Ouais, donc voilà, je préfère mieux autant le faire en let's play classique. Sincèrement, je préfère mieux autant le faire en LP classique. Et puis, de temps en temps, ça ne nous empêche pas de faire des lives, hein, je veux dire, voilà. Ça ne nous empêche pas de faire des streams, par exemple, Battlefield 5, on peut le faire en live aussi. Et Battlefield 5, il est vraiment pas mal. Alors, attends, fais voir, toi. Ouais, bah, on va aller prendre le train, alors. L'heure est venue. La traque des 7 mystères de la cité a commencé. Alors, vous avez déjà des infos? Rien au centre-ville. On va pas vous laisser faire. Nous aussi, on veut résoudre les énigmes. Heiner, ce n'est pas une course. Maintenant, si. Bon, allez, c'est bon, on y va tous. Dépêche-toi! Hein? C'est l'escalier dont tu me parlais? Celui dont le nombre de marches est différent suivant qu'on monte ou qu'on descend? En fait, c'est une histoire complètement débile. Pourquoi? C'est Rai qui a découvert ce mystère. Il disait, à chaque fois que je compte, c'est différent. Tu vois le genre. Alors, il a juste mal compté? Hé, hey, t'en fais pas pour ça. Gare du couchant, ok, attendez, on va d'abord faire une petite sauvegarde. Voilà. Alors c'est pareil aussi là sur le Nexus Mode, j'ai téléchargé aussi pour les, je crois c'est les cinématiques souvenirs de Sora, que ce soit en VF aussi. Et attends, autre chose aussi que j'ai envie de dire, oui, qu'ils avaient, normal que je te cite, c'est que c'est toi qui m'as fait découvrir ces jeux. C'est normal que je te cite, mec. Là, il a fait très bon let's play sur ces jeux là, hein. Vraiment c'est un très très bon let's play. Et ce que je kifferais franchement, c'est que la Biscotte ou Luigi fassent ces jeux là aussi, tu vois. Ça serait un truc vraiment cool. Faut que j'aille où? Ah, il y a un coffre là. Une potion. Parce que franchement, le premier, moi j'avais adoré, hein, KH1. Hein. J'avais vraiment kiffé de le faire. Hein. En vrai, c'était vraiment. Ah, qu'est-ce que ça donne? Moi je cherche pas ici, je crois m'a l'air louche. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ça peut être compliqué, hein. C'est pour ouais, ça, c'est pas compliqué à battre, quoi.
Roxas! Tu vois bien? La frousse que j'ai eue. J'ai cru voir quelqu'un, mais c'était juste mon reflet. À tout du coup, c'est l'un des mystères. Un autre moi? Ok, bon, mais c'était le second mystère, hein, je crois. Hein. Ok, donc maintenant, on va aller à un autre endroit. Non, en vrai, par contre, je pense que ce qui est vraiment kiffant, c'est de voir d'autres personnes faire d'autres... tu vois, faire ses jeux favoris. C'est une certaine forme de partage, je trouve, et ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que même Eiji, hein, par exemple, j'aimerais bien voir... Vivi? Oh, bon, c'est pas ici, elle m'a dit. J'aimerais bien voir Eiji faire ces jeux-là aussi, ça pourrait être vraiment cool. Ok, bon, faut les battre les trois alors. Hein. Ok, bon, d'accord. Étape. Bon, non, il faut des locks, hein, parce que sinon on va tous. On ne peut pas les affronter tous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Roxas? Avec ça, tu veux t'entraîner en douce, je parie. Pas du tout, c'est juste qu'il y avait plusieurs toits et quoi? Tu es sûr que ça va? Enfin, c'est pas tout ça. Faut que je rentre. Amuse-toi bien. Alors cette voix mystérieuse, c'était Vivi qui s'entraînait. Mais il y avait des tas de clones de lui. Il n'y a même pas une minute. C'est grave chelou, hein. C'est grave, grave, grave chelou, hein. Alors, aussi, autre chose que j'ai envie d'expliquer un peu, peut-être à Eiji et à Brice qui regarde cet épisode. Oui, il y a des personnages de Final Fantasy sur Kingdom Hearts. Ah! Donc, on a validé le sosie, le gisement du tunnel, Perse Muraille, on l'a pas fait, et le sac vivant, on l'a pas fait. Eh bien, écoute, on va aller le faire. Merci pour la carte. C'est que oui, il y a des personnages de Final Fantasy qui apparaissent. Si vous regardez le Let's Play, bon après, le problème du Let's Play de KH1 Final Mix, c'est que ben, c'était que du live. Et ça fait des grosses, grosses, grosses vidéos quand même. Mais dans KH1 Final Mix, vous avez Squall, vous avez Yuffie, vous avez. Comment il s'appelle Cloud qui apparaît. Enfin voilà quoi. Ça mélange en fait l'univers un peu Final Fantasy et l'univers Disney. Là, je vois qu'il n'y a rien. Oui, ça va être tout en haut. Hein. Hop. C'est sur ça qu'il reste-y à gripper. D'accord, ok, faut juste faire gaffe quoi. Ah d'accord, ok, faut sauter alors, bah je suis con. Ah putain, j'ai pas appuyé comme il faut. Voilà, c'est bon.
Ah! Quoi? Ce n'était qu'un chien? C'est toi qui l'as fait sortir, Roxas? Voilà qui élucide le mystère. Eh oui, mais on revoit un peu ces créatures un petit peu étranges, hein. Il y a un truc qui brillait là. Et je sais plus c'est où il est le prochain. C'est le Perse Mystère. Ah ouais, je vois à peu près. Je vois à peu près. Alors j'y avais joué un peu là, je sais plus où est-ce que j'avais été, mais j'ai pas été très très loin et je crois que j'y avais joué sur, sur émulateur, je crois. Ok, moi je suis là, il faut aller là-bas. Il y a une balle qui jaillit du mur au fond de cette allée, même pas, enfin plusieurs. Ok, d'accord. Faut aller par là-bas. Bon, c'est un jeu qui a ses OST, quoi. Ça, c'est un jeu qui a des putains d'OST, c'est un truc de malade. Hein. Alors, est-ce que ça serait pas par là? Ouais. Inspecte le mur du fond. D'accord, bon, ok, faut juste que je les évite, quoi. Ah, c'est toi, Roxas? Tu joues à la balle? J'ai vu une balle débouler de nulle part, j'ai eu peur. Attends voir. Voilà l'un des sept mystères. Quand même, tu dois reconnaître que le dernier mystère n'était pas franchement mystérieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais la prochaine énigme est géniale. Le mystère numéro 6. On a trouvé un truc bizarre. L'énigme du train fantôme. C'est le sixième mystère, tout le monde le connaît. Ah ouais? Eh ben pas moi. Vous avez trouvé la destination du train? On le voit de la colline du couchant. D'accord, donc c'est où ça? Tout à fait, mais presque, ok. Donc le train fantôme, ok, bon, ben on y va, hein. Mais je sais que la biscotte en a parlé sur pour KH1. La biscotte avait dit, mais m'avait dit, mais ouais, mais au pire des cas, pourquoi pas, je le ferai en 2024. Mais tu sais quoi, biscotte? Je t'offrirai KH1. Rumeur dit vrai, il devrait arriver dans quelques minutes. Nul être vivant ne voyage à bord de ce train. Ni passager, ni conducteur. Ce convoi vient d'un lieu inconnu pour se rendre nulle part. Prochain, on essaiera d'aller à la plage, hein. Ouais, mais pour ça, faudra qu'on fasse des petits boulots. Salut, les bons à rien. Qu'est-ce que vous faites là? Genre, ça t'intéresse? Non, mais dites-le-moi quand même. On attend le train fantôme. Ah, je vois, le train fantôme. Comment ça se fait que vous voir me met de mauvaise humeur? Aucune idée. Le destin, sans doute. Le destin? Alors dans ce cas, soyons amis. Quoique, je n'aime pas trop influencer le destin. Je pense pas que tu sois capable d'influencer grand-chose.
Cypher ? Je sais. Demain. Regardez ! Alors c'est vrai ? Et il n'y a vraiment personne dedans ? C'est quoi le truc ? Il y a forcément une arnaque, non ? Vous savez pas ? Allons voir ça à la gare. Allez, on monte ! Quoi ? C'est dangereux. Votre attention, s'il vous plaît. Le train va entrer en gare. Monte ! Mais dans le train qui revenait de la plage, il n'y avait personne, non ? On rentre. J'ai tort ? Rentrons écrire cette fichue, Redac. Les rumeurs étaient bidons. Fin. Si on explique tout ce qu'on a fait, ça pourrait quand même impressionner la prof. Et pour le dernier mystère, la septième énigme. On s'en fiche. Pas moi. Viens, Pence. Bon vent. Roxas. C'est la maison hantée. La maison hantée. C'est pas la fameuse maison où on y a été, là, la dernière fois. Et je suis sûr que c'est ça. mais j'aime bien ce côté un peu Swiss Life, là, un peu tranquille, là. C'est, j'aime bien la cité du crépuscule, aussi. Alors donc oui, pour résumer un peu tout ça, comment j'ai installé le mode VF ? Bah c'est ça, vous allez sur Nexus Mode, il faut télécharger je crois cache patch et télécharger les voix françaises. Et après quand vous lancez cache patch, il vous demande de sélectionner un patch, vous sélectionnez le patch FR et vous le mettez. Et il y a un autre patch FR, je crois que c'est pour les cinématiques pour qu'elles soient en français. Et il y a aussi, c'est pour les souvenirs de Sora si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, pour les souvenirs de Sora, il faut aussi les télécharger et les mettre après dans le fichier du jeu. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Et autre chose aussi qui est bien, mais là, c'est pas la trad... Attends, on va faire le combat contre Cypher avant. C'est pas la trad classique, en fait, enfin, pour KH3. Hein. Et c'est une trad pour fan, quoi. Ce qui est plutôt pas mal, hein, je veux dire, parce que Kingdom Hearts. Parce que Kingdom Hearts 3 n'a pas de VF, hein, je tiens à le préciser. Hein. C'est dommage. Parce qu'on aurait quand même bien aimé réentendre Donald Renew. Mais malheureusement, bah, on peut pas avancer. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, quoi. En tout cas, aussi, je peux dire merci à Blondie, à Eralia et à tous les autres potes qui m'ont dit. Quand on avait lancé live, je dis ouais, c'est dommage. Ah ouais, il n'y a pas la VF, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais dit, ouais, mais ça a l'air d'être un peu complexe. Finalement, non, pas du tout, hein. C'est vraiment, vraiment pas compliqué, hein. À installer, hein. Alors, moi, je suis sûr qu'il faut aller là, hein. Moi, je suis sûr qu'il faut aller là. Dans le manoir abandonné. Roxas, on avait prévu d'aller à cette maison demain. C'est vraiment trop bizarre comme endroit. Tu trouves ? Cypher et sa bande devaient nous aider. Cypher ? Einar lui a demandé. Qu'est-ce qu'on raconte sur cette maison ? Eh bien, on dit qu'une fille apparaît à la fenêtre du premier étage.
alors que personne n'habite là depuis des années. Roxas. Naminé ? Mais... c'est moi, ça. Et Axel est là aussi. Vous êtes les meilleurs amis ? Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas découvrir la vérité ? Savoir qui tu es vraiment ? Personne ne me connaît aussi bien que moi. Oui, bien sûr. Mais... je veux comprendre ce qui m'arrive ces temps-ci. Tu connais ces trois-là, n'est-ce pas ? Oui. Sora, Donald et Dingo. Je les vois dans mes rêves. Il y a un an, j'ai été obligée de disperser les images présentes dans le cœur de Sora. J'ai brisé la chaîne de ses souvenirs. Mais là... je suis en train de reconstituer précisément sa mémoire. Ça me prend du temps, mais bientôt, Sora redeviendra lui-même. Malheureusement, le processus t'a affecté toi aussi, Roxas. À travers mes rêves ? Oui. Sora et toi, vous êtes liés. Et pour que Sora puisse redevenir complètement lui-même, il a besoin de toi. De moi ? Pourquoi ? Tu détiens la moitié de ce qu'il est. Tu lui es nécessaire, Roxas. Naminé ? Naminé ? Qui es-tu ? Une sorcière capable de manipuler les souvenirs de Sora et de ses proches. Une sorcière ? C'est comme ça que Diz m'appelle. Mais... j'ignore d'où me vient ce pouvoir. Il est là, c'est tout. Je ne suis même pas sûre de m'en servir correctement. Sur ce point, je peux pas t'aider. C'est bizarre. Tout à coup, j'ai l'impression de ne plus me connaître. J'aimerais en savoir plus. Que sais-tu de moi que j'ignore ? Tu n'aurais jamais dû exister, Roxas. Quoi ? Comment peux-tu me dire une chose pareille ? Même si c'était vrai. Pardonne-moi. Tu as raison. Certains faits doivent rester secrets. Roxas ! Roxas ! Hein ? Tu l'as vu ? Oui. Regarde bien la fenêtre. Oh, c'est nul ! C'est juste le rideau qui bouge. Il doit y avoir un courant d'air. Ça m'étonne que cette bicoque ait encore des rideaux. Ouais. Bon, retournons à notre repère. Einar et les autres nous attendent. Alors ? Comment c'était ? En fait, la fille à la fenêtre, c'est juste un rideau que le vent fait bouger. Je m'en doutais. On a terminé la rédac. Génial ! Dites, on va voir Einar ? Il est probablement à la gare. Roxas, on n'a plus que 2 jours à passer ensemble. Hein ? La fin des vacances, t'as oublié ? Ah, c'est vrai.
Demain, on fouillera la ville. Après-demain, c'est la kermesse. Le dernier jour de l'été. Arrête! Rien que d'y penser, j'ai mal au ventre. À mon avis, tu fais plutôt une overdose de glace. Pourquoi lui as-tu montré le train? Parce qu'il n'a pas pu aller à la plage. Ferais-tu preuve de gentillesse? Oh. Parlons de toi. Les zones d'ombre de ta mémoire commencent-elles à s'estomper? Oui. Le brouillard se dissipe. La même chose arrive à tous les êtres qui ont été liés à Sora. Bientôt, il ne sera à leurs yeux qu'un ami revenu d'une longue absence. J'ai assez patienté, dis-moi la vérité. Que veux-tu au juste? Ma revanche. Ta revanche? Réglons les derniers détails. D'abord, il faut nous débarrasser de Naminé. Elle a fait un excellent travail avec Sora, mais il est temps qu'elle disparaisse. Roxas n'est pas le seul individu qui n'aurait jamais dû exister. Occupe-toi de ça. Taux de restauration, 97%. Ça alors, c'est tout ce qui reste des mondes pris par les sans-cœurs. Ces mondes vont renaître si on bat Ansem, hein? Mais si on arrive à le battre, et que tous ces mondes revivent et se séparent comme avant, qu'est-ce qui va arriver à cet endroit? Et à nous? Tous les mondes naissent dans les ténèbres, et c'est aussi là qu'ils meurent. Le cœur n'est pas différent. Les ténèbres sont l'essence même du cœur. Ce n'est pas vrai! Le cœur peut être faible, parfois même... Il peut se soumettre. Mais j'ai appris qu'au fond de lui, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Kingdom Hearts. Donne-moi le pouvoir des ténèbres. Tu as tort. Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière. Maintenant, Sora, fermons cette porte une bonne fois pour toutes. Prends soin d'elle. Kairi! Sora! Ah! Kairi, tu te souviens de ce que tu as dit? Je serai toujours avec toi. Je reviendrai. Je te le promets. Je t'attendrai! Nous devons trouver Riku et le roi Mickey. Mais où est-ce qu'on va la trouver, cette fameuse porte de la lumière? Ça alors, c'est le son royal! Hé, est-ce que tu as vu le roi Mickey? On y va! Je l'ai vu. Il te ressemble beaucoup. Qui es-tu? Ah.
abattu la Keyblade. La ferme. Ah, j'ai presque pas dormi cette nuit. Ça va ? Hein ? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de révélations. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. On va sauvegarder et on va se laisser là. Je vais tourner un épisode à la suite, hein, c'est obligé. Il y a tellement de révélations de taré. Et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Bah moi, je vais tourner un épisode tout de suite à la suite, hein, tout de suite. Il faut savoir. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous, c'était Kintaro. Prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde.